Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un petit tour de cartes de petits paquets. Pas facile à faire, je préfère vous prévenir dès le début. Il va falloir un petit peu travailler, ça va enchaîner les manipulations. Mais bon, comme je sais qu'il y en a qui veulent ce genre de tour, je me suis dit qu'il fallait faire plaisir à tout le monde. Du coup, voilà un petit tour où il va falloir un petit peu travailler. Comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre ce tour, vous aurez la vidéo explicative directement disponible dans la description de cette vidéo et également dans la section commentaires. Ah, j'ai oublié, et en fin de vidéo, un petit concours. Allez, on se retrouve pour la démo, donc c'est un petit tour qui se fait avec 4 cartes, mais en fait je vais plutôt vous faire un petit cours sur les passes magiques. Je sais pas si vous les connaissez et je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait chaque carte répond à une carte, à une passe magique. Par exemple, l'as de trèfle. L'as de trèfle, tout simplement, il suffit de claquer des doigts. Si on claque des doigts au-dessus du jeu, et ben l'as de trèfle passe face en l'air. Ça c'est pour l'as, il faut claquer des doigts. Pour le 2 c'est différent. Le 2, il suffit de faire ce petit mouvement comme ceci. Et si on attend et qu'on regarde, eh ben oui, le 2 passe maintenant face en l'air, alors que les autres sont face en bas. Donc ça, souvenez-vous, le 2 on fait ce mouvement, l'as on claque des doigts. Donc si je claque des doigts et qu'on regarde, oui ça marche bien, on a bien l'as face en l'air. Pour le 3 c'est différent, le 3 faut tapoter comme ça. Et ouais, et si on tapote un petit peu et qu'on attend et qu'on regarde, eh ben normalement oui ça marche, hein, le 3 est face en l'air maintenant. Donc ça c'est pour le 3, hein. Le 3 on tapote. Et là, souvenez-vous, c'est au début, on claque des doigts. Donc si je claque des doigts, forcément, maintenant, j'ai l'as face en l'air. Pour le 4, c'est le plus difficile, on va dire, mais en fait, pas si loin que ça, parce qu'on sait que 2 et 2 font 4. Donc si on applique, par exemple, 2 fois la passe du 2, qu'on atteint un petit peu, normalement, et qu'on regarde, ouais, ça marche. On a bien le 4 face en l'air. Alors ça, vous devez vous dire, ouais, mais si je fais rien, qu'est-ce qui se passe? Ben, logiquement, quand on fait rien, ben, il se passe rien. Hein. Par contre, l'as, souvenez-vous, la passe magique de l'as, c'est de claquer des doigts. Donc si je claque des doigts et qu'on regarde, et ouais, l'as passe face en l'air. Et bien entendu, on peut tout donner à l'examen, il n'y a rien à voir. Et c'est plutôt sympa de connaître ces passes magiques, non? Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins que vous avez apprécié cette petite démo. Donc n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'explication directement dans la description et dans la section commentaires. Vous allez voir, c'est pas forcément facile, mais pas insurmontable. Grosso modo, il y a 2 techniques à connaître. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y répondrai avec plaisir. Et également retrouver mon école de magie 100% gratuite, magistreaming.fr, où vous retrouverez toutes les bases et les techniques en cartes et en pièces. C'est 100% gratuit, sans aucune inscription. Et pour ceux qui désirent me soutenir, vous avez également ma plateforme de streaming, Magistreaming, où vous pouvez retrouver des tours de magie expliqués, des fabrications de gimmicks et bien plus encore. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous faire gagner l'un des tours de ma plateforme directement dans ce concours. Et pour ce concours qui sera sous forme de tirage au sort, le gagnant gagnera tout simplement le tour Hypnobile. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo explicative en français qui va vous apprendre à fabriquer ce gimmick, qui va vous permettre de réaliser un change de billet vraiment très visuel, très facile à faire. Le tout est expliqué en détail, vraiment un super tour à ne pas manquer. Pour participer, c'est très simple, toujours pareil sous forme de tirage au sort et le résultat seront affichés la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. 3 règles, être abonné à ma chaîne, Tuto Magie, liker cette vidéo, donc il suffit de mettre un pouce bleu, et ajouter un commentaire sur cette vidéo. Peu importe le commentaire, l'essentiel c'est de mettre un seul commentaire et pas deux, sinon votre candidature sera pas validée. Donc je récapitule. Être abonné à la chaîne, avoir mis un pouce bleu et un commentaire, et votre participation est enregistrée. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!